Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 27 mars, nous fêtons Saint Matthieu de Beauvais et Saint Jean d'Égypte. Parmi ceux qui, dans la guerre contre les Sarrasins, dit le vénérable Guibert, abbé, aimèrent mieux sacrifier leur vie que de trahir leur foi, j'en ai choisi un dont je raconterai de préférence l'héroïsme chrétien. Il suivait la profession des armes, s'appelait Matthieu et était noble. Mais la vertu chez lui l'emportait sur la naissance. Il était originaire de la même paroisse que moi, d'Agnetz, près de Clermont en Beauvaisis. Il a, ainsi que ses parents, tenu un bénéfice dépendant de ma famille. Nous avons grandi ensemble. C'est dire assez que sa vie et son caractère me sont entièrement connus. Armé chevalier, il prit la croix et se rendit en Orient pour délivrer le tombeau du Sauveur. Dans la profession des armes, il alliait la sainteté à la bravoure. Lorsque je me rappelle sa ferveur dans la prière, la foi que respiraient ses paroles, sa charité envers les pauvres, sa constance dans la pratique du bien, je suis obligé de faire un retour sur moi-même, et la comparaison me rend confus. Néanmoins, je me glorifie de l'avoir connu, et tous ceux qui ont eu le même bonheur doivent se glorifier d'avoir connu un héros, un saint, un martyr. Captif des Sarrasins, il fut sommé de renier sa foi. Il demanda un délai jusqu'au vendredi suivant. On le lui accorda volontiers parce qu'on crut qu'il hésitait et que la réflexion achèverait de l'ébranler. Le moment venu, il répondit « Je n'ai pas voulu prolonger ma vie de quelques jours, mais bien me ménager l'honneur et le bonheur de mourir le même jour que mon Seigneur Jésus-Christ. Tuez-moi donc, pourvu que je donne ma vie à celui qui donne à la sienne pour le salut du genre humain, peu m'importe le reste. » Il fut aussitôt décapité et gagna la couronne du martyr vers la fin du XIe siècle. Jean, né en Égypte vers l'an 305, était charpentier. À l'âge de 25 ans, il se retira dans la solitude et se mit, sous la conduite d'un ancien anachorète, à qui il obéissait sans réserve. Par son ordre, il arrosa un bâton deux fois le jour pendant un an. Plus tard, il vécut seul, près de Lycopolis, sur le haut d'un rocher, dans une cellule dont il mura la porte. Il y resta sans sortir 42 ans, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. On lui passait par une petite fenêtre ce qui lui était nécessaire. On accourait de tous côtés pour recevoir ses avis. Les empereurs le consultaient. Il avait le don de prophétie. Il mourut en 394. 27 mars. Saint Jean Damascène, confesseur et docteur de l'Église. Fils de Sergius Mansour, grec catholique, chargé de collecter le tribut en or dû au calife, Saint Jean de Damas, Damascène, eut pour précepteur le moine Cosma, capturé par les Sarrasins sur les côtes de Sicile. Vers 726, il se rendit célèbre par une première apologie du culte des images contre l'empereur iconoclaste Léon l'Isaurien, lequel, pour se venger, le dénonça comme traître au calife de Bagdad. Celui-ci, prêtant l'oreille à la calomnie, lui fit couper la main. Mais, par un miracle dû à l'intervention de la Mère de Dieu, sa main lui fut rendue. Peu après, quittant la charge que lui avait laissée son père,
il entra comme moine au couvent de Saint-Sabas, près de Jérusalem, où, sous la conduite d'un moine morose, il se sanctifia sous la règle unique d'une méthode aussi simple que rude. En tout, et obéissant jusqu'à l'absurde, contrarier la nature pour mieux la dompter. Enfin, rendu à ses chères études, il excellait dans le grec et l'arabe, il fut ordonné prêtre en 735. Travailleur acharné, résumant fidèlement les écrits des anciens, poète et théologien, il a laissé une œuvre importante dont le principal mérite est d'avoir réuni la doctrine catholique dans un système organique qui inspirera la future scolastique par sa doctrine et sa méthode exceptionnelle. Il est surnommé par les Byzantins Chrysoroas, celui qui roule de l'or. De fait, il est tel et peut aussi, à l'instar de saint Cyril d'Alexandrie, être appelé le sceau des pères. Le pape Léon XIII l'a élevé au rang des docteurs de l'Église. On l'a aussi nommé le docteur des saintes images ou encore le théologien de l'incarnation, tant il déduit avec rigueur les conclusions théologiques et dogmatiques de l'union hypostatique. C'est peu après sa mort, en 749, que commença le schisme qui détacha lentement l'Église grecque du rocher de pierre. Le travail préliminaire pour la promulgation du dogme de l'Assomption de Marie, 1950, doit sans doute beaucoup à ses écrits. On le représente comme docteur de l'Église, avec un livre, et tenant sa main coupée.